Bonjour, ravi d'être ici à Montréal avec le professeur Pierre Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter. Disons que j'ai travaillé en fait toute ma carrière sur cette notion d'intelligence collective. Pour moi, l'intelligence collective, c'est avant tout la finalité principale qu'on doit viser quand on manipule des outils numériques. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le professeur Lévy parle bien sûr d'intelligence collective, mais il va beaucoup plus loin puisqu'il l'applique à son domaine de recherche qui est la technologie, l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous dire en fait quelle est votre œuvre et ce que vous faites depuis 25 ans en recherche fondamentale? Voilà. Alors, donc je travaille sur un langage que les ordinateurs peuvent comprendre. Donc, ils peuvent comprendre même la dimension sémantique de ce langage. Ils comprennent le sens des mots, le sens des phrases, le sens des textes. Ils peuvent comparer les textes entre eux, les phrases entre eux, etc. Et en même temps, c'est un langage qui se traduit en français, en anglais, en arabe, en chinois, et que les humains peuvent comprendre. Donc voilà, c'est une sorte de langue interface, ou de langue pivot entre les langues naturelles, et puis d'un autre côté, entre les langues naturelles et les langages de programmation, les ordinateurs, le software de l'autre côté. Voilà. Mais on a très envie de vous poser cette question. Quel est l'objectif? Pourquoi imaginer en fait ce type de langage alors qu'il existe déjà de multiples langages en informatique? Quelle est la valeur ajoutée? Oui, alors il n'y a pas de langue avec une sémantique calculable pour le moment. Ça serait la première, d'accord? Et l'utilité de ce langage, bon, ce serait d'abord de fonctionner comme un système de métadonnées sémantiques, c'est-à-dire qu'on s'en servirait pour catégoriser les données, de telle sorte qu'on puisse savoir de quoi elles parlent, et que les ordinateurs puissent savoir de quoi elles parlent, et quelles sont les proximités de sujets avec d'autres données, etc., et que tout ça puisse être calculé automatiquement, mais pas d'une manière statistique comme c'est fait aujourd'hui par Google, mais vraiment en comprenant ce qui est dit dans le langage de description. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Je pense que ça pourrait être un outil extraordinaire de gestion collaborative des connaissances pour organiser une mémoire commune. Donc pour augmenter l'intelligence collective et ultimement, parce qu'il y a déjà beaucoup de processus d'intelligence collective qui ont lieu dans les univers numériques, mais pour aller un petit peu plus loin et rendre cette intelligence collective réflexive pour que les gens puissent observer ce qu'ils font ensemble avec les données, en communiquant, en accumulant des mémoires communes, etc. Donc vraiment... accéder à une sorte de culture de l'intelligence collective par la réflexion, par la possibilité de l'observation des processus d'intelligence collective auxquels on participe. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Donc, nous retiendrons en fait que le professeur Lévy est en train de créer l'espéranto, pourrait-on dire ça, des différents langages technologiques, des langages numériques et d'intelligence artificielle, mais surtout qu'en fait, il veut donner la part importante au sens plutôt qu'à la statistique, et que le sens est certainement ce qui va fédérer les personnes pour avoir une mémoire commune et retrouver un collaboratif qui a bien entendu des objectifs pour l'humain et qui donnera à l'humain certainement encore plus de poids que simplement les machines. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.